Faisons un petit saut dans le temps pour commencer cette vidéo. Voilà déjà un an que j'ai déménagé. C'est l'occasion pour moi de faire un bilan de cette année écoulée et de répondre à quelques-unes de vos questions. Je me souviens encore des doutes et des peurs dont je vous ai fait part avant cette grande aventure. Du stress de tout quitter et de tenter quelque chose de nouveau. D'affronter mes peurs de l'inconnu et celles de l'administratif aussi. Et de bousculer une stabilité qui me sécurisait beaucoup. Finalement, ce n'était pas si terrible. Et la fierté de l'avoir fait était d'un réconfort parfait. Cette année est passée très vite, beaucoup trop vite. Ce qui me donne parfois l'impression de ne pas avoir réalisé beaucoup de choses. Et pourtant, grâce à cette vidéo, je me rends compte que ce n'est pas si vrai. J'avance certes à mon rythme, mais j'ai bâti quelques petites choses et elles me rendent déjà très heureuse. J'ai réalisé par exemple mon premier potager. Construit mes carrés maison à base de palettes. Je n'y connaissais rien, c'était beaucoup de travail, mais c'était captivant. Planter mes premières graines. Je les ai vues pousser. Je les ai vues grandir et elles m'ont aussi nourri. J'ai aussi beaucoup bricolé, construit des meubles, des abris pour les animaux. J'ai eu la liberté de créer comme je voulais, sans peur de déranger les voisins ou de mettre de la poussière partout. J'ai pu vraiment vivre au rythme des saisons et de la nature, m'écouter et me lancer à fond dans des activités qui me passionnent. J'ai expérimenté plus sereinement la vie sauvage, appris sur moi et mes besoins. Et je crois que cette année écoulée m'a permis de mieux me connaître, de mieux savoir vers quoi je veux aller. Bien évidemment, vers une vie encore plus libre et sauvage. Après ce petit saut dans le temps, retournons maintenant dans le présent. J'étais en train de me faire un café et regardez qui est là. Le ragondin, il est de plus en plus à l'aise. Pourtant je suis passée dans le jardin mais il s'en fiche un peu. Il vient grignoter vraiment au bord de la cuisine pour vous dire, regardez. On est vraiment au bord, enfin voilà, je suis vraiment au plus proche quoi. Thank you.
Alors, le café dehors, ça fait tellement du bien. Il fait tellement doux. On est donc au mois de février, on est à peu près à l'anniversaire d'emménagement de cette maison. Puisque là, on est quelques jours avant le 20 février. Et je me souviens que quand j'ai emménagé, bah, il y a tout pile un an, je suis emménagée sous un soleil de plomb. Et toute la première semaine que j'ai passée dans cette maison, il a fait un temps incroyable. Il a fait un ciel bleu, presque une vingtaine de degrés. Donc je me souviens que ça avait été ultra top pour l'aménagement. C'était incroyable parce que j'allumais même pas la cheminée. J'avais tout ouvert en grand et vraiment cette première semaine dans la maison avait été exceptionnelle. Et là, on est à peu près à la même période et il s'avère que le temps est fabuleux, que je suis en chemise dans le jardin et qui fait super bon. Ce qui est très cool du coup pour commencer un peu cette vidéo et surtout répondre un peu aux questions que vous m'avez posées sur Instagram pour cette FAQ de un an d'emménagement. Le truc très, très bateau, mais je suis contente de répondre à vos questions un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc je vais commencer par la question qui m'a été le plus posée, qu'on me pose assez régulièrement, que là on m'a posé plusieurs fois dans la boîte à questions, c'est de savoir si je suis propriétaire ou locataire de ce petit chalet, enfin de cette petite maison. Et donc je suis locataire, je ne suis pas du tout propriétaire, c'est une maison que j'ai trouvée sur un site de location entre particuliers, donc c'est comme ça que j'ai trouvé cette maison, il en existe plein. Moi j'allais sur Le Bon Coin, seloger.com et entre particuliers, et voilà, une maison de 70 mètres carrés, donc véranda comprise, et avec un terrain de 1500 mètres carrés de terrain, donc voilà, comme ça vous avez toutes les réponses à ces questions-là. Une autre question qui m'a été posée que je trouve assez intéressante, c'est quelle est ma saison préférée au chalet, enfin dans cette petite maison. Et c'est bien évidemment le printemps, puisque de toute façon bah, le printemps c'est ma saison préférée de tout l'univers. Et c'est juste hyper agréable ici au chalet. Les premiers jours où il fait bon, le soleil qui passe à travers la véranda, les journées qui rallongent, bah, ça a tout de suite un plus non négligeable. Et vraiment, les journées qui terminent plutôt vers 19h-20h avec la lumière qui rentre dans la maison, la véranda qui chauffe toute seule et qui chauffe la maison, j'ai pas besoin d'allumer la cheminée, c'est trop chouette aussi, parce que du coup c'est une autre question qui m'a été posée, mais je ne chauffe qu'avec ma cheminée, je n'ai pas de petit radiateur, même si là je viens tout juste de faire l'acquisition d'un petit bain d'huile qui va me permettre de chauffer juste la véranda les matins où il fait froid pour mes live Twitch. Sinon je ne chauffe qu'avec ma cheminée, et du coup les jours de beau temps, la véranda chauffe la maison. Donc c'est le printemps, ma saison préférée, mais j'adore bien évidemment l'été, puisque c'est aussi une saison que j'adore. Et l'automne c'est très cool, et l'hiver, bon bah c'est l'hiver, mais je commence à essayer d'être en paix avec cette saison. Et voilà, mais toutes les saisons sont chouettes ici, et ça me permet de voir la nature de manière très différente à chaque fois, et c'est trop chouette. Thank you.
Une question qui m'a été posée plusieurs fois et qui m'est posée aussi régulièrement, c'est de savoir si j'ai des peurs, des craintes ici, si j'ai des angoisses, savoir un peu ce qui me fait peur. Oui, en effet, je vais pas vous mentir, tout n'est pas que rose et c'est vrai que j'aime bien ne pas vous montrer que le positif. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible, d'être le plus transparente avec vous. Et il y a quand même des petites choses, oui, qui font que parfois, mais comme tout endroit, en fait, j'ai envie de dire, peu importe où je suis, et je trouve que comparé à ma vie à Paris, j'ai beaucoup moins de peur et je suis beaucoup plus sereine qu'avant. Et d'ailleurs, je suis hyper reconnaissante de ça. Et ça me fait beaucoup de bien de voir l'évolution de mon anxiété et de voir que j'arrive à vraiment évoluer par rapport à ça. Mais il y a toujours des petites choses qui me font parfois un peu peur. Et une chose qui me vient en tête là tout de suite, ce serait... peut-être celle de trop m'isoler sans m'en rendre compte parfois. Je peux rester sans donner de nouvelles pendant très 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 longtemps. Je suis quelqu'un qui... je fais pas attention, mais parfois je peux en oublier de donner des nouvelles et je peux en oublier de communiquer avec les autres, d'autant plus qu'avec les réseaux, j'ai l'impression de le faire en faisant des stories sur Instagram, en étant sur Twitch avec mes lives sur YouTube, j'ai l'impression de communiquer avec les autres et je sais que ça peut être dangereux ça parfois. Et j'ai peur du coup que suite à ça, on puisse m'oublier. La fameuse peur de l'oubli, qui est quelque chose qui me fait très peur chez moi. J'ai toujours très peur que mes amis m'oublient et passent à autre chose et voilà, ils fassent leur vie. Et comme maintenant je suis plus à Paris avec mes proches, comme on peut plus se voir aussi souvent qu'avant, c'est différent, bah du coup oui, j'avoue que j'ai une petite crainte qui parfois, j'ai un peu peur qu'ils m'oublient et qu'ils fassent leur vie parce que c'est moins facile de me voir. Même si je suis de nature très solitaire, amis, amour, famille sont quand même importants pour moi et j'ai quand même besoin de les avoir. J'ai quand même besoin de leur présence et donc voilà, je peux avoir peur de ça, cette peur qu'on oublie, mais du coup cette peur commence vraiment à disparaître, à se dissiper parce que finalement après un an ici je me rends compte que les choses n'ont absolument pas changé avec mon cercle proche, qu'on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, de s'envoyer des SMS régulièrement, enfin voilà, de se donner des nouvelles régulièrement pour que notre amitié reste et tienne. Et ça, c'est un truc dont je suis hyper reconnaissante et je suis hyper heureuse d'avoir des proches qui comprennent ça et qui fonctionnent comme moi pour ça. Et donc voilà, big up à vous d'ailleurs parce que vous êtes les meilleurs. Et du coup, grâce à ça, ma peur commence à se dissiper. Et je suis quand même super contente de voir les choses ne changent pas malgré la distance et que ça fait évoluer aussi nos relations. Et c'est un plus qui est quand même très chouette. Parce que le temps qu'on passe ensemble maintenant est différent, il est plus pareil que quand on vivait à proximité, donc ça a aussi changé ce truc-là qui fait que nos relations ont évolué, et je trouve qu'elles ont évolué dans le bon sens, et de manière hyper positive, et ça c'est un truc aussi que je trouve vraiment chouette, d'avoir ce recul et de voir ça aujourd'hui, après un an de vie changée, un an de distance, donc ça je suis vraiment trop contente et hyper reconnaissante de ça aussi. De voir que j'ai des amis qui fonctionnent comme moi et qui sont indépendants, mais qui, pour autant, accordent de l'importance à nos amitiés, même avec de la distance. Et c'est vrai que ce genre de petites choses, ça, accumulé à plein d'autres petites choses positives, fait que j'apprends énormément sur moi. C'est assez fou à quel point... C'est très bateau de dire ça, mais en fait, c'est fou à quel point c'est vrai. En un an, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris beaucoup sur ma façon de fonctionner avec les gens. Avoir des relations à distance, de ma manière d'appréhender la solitude sur le long terme, de vivre vraiment dans mon coin et de faire mes trucs, de voir la solidité que je peux avoir avec mes proches. Toutes ces petites choses cumulées ont fait que j'ai l'impression d'avoir appris énormément sur moi et je me sens d'autant plus libre maintenant dans cette nouvelle vie parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir pu exploser, d'avoir pu être vraiment moi-même et de m'être vraiment découverte avec cette vie et cet environnement. Chose qui était moins possible à Paris dans un petit appartement où j'étais assez contrainte mine de rien sur pas mal de choses et du coup c'était un truc qui était très frustrant au quotidien, je voyais qu'il y avait des limites dans pas mal de choses, là ces limites ont un peu disparu, ça a vraiment permis que je me redécouvre et en fait je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de m'écouter et que j'ai bien fait de suivre ce petit instinct qui me disait va par là parce que c'est trop bien et je suis super heureuse et j'ai vraiment aucun regret Donc voilà, je vous conseille d'écouter cette petite lueur qu'il y a parfois chez vous, si vous en avez une, et de peut-être la suivre. Parce que généralement, quand on s'écoute, je crois qu'on ne se trompe pas. Donc c'est hyper positif.
m'avais aussi demandé ce qui me manquait le plus depuis que j'étais à la campagne. Et bon, y a pas mal de petites choses qui sont différentes, bien évidemment, que de vivre en pleine ville. Et il y a des petites choses, oui, qui peuvent me manquer un petit peu. Mais ça ne me donne pas forcément envie de retourner en ville juste à cause de ça. Il va y avoir la proximité, bon, par exemple c'est les choses du quotidien, mais la proximité avec les magasins vrac, c'est vrai que bah, à Paris j'avais plein de magasins vrac pour faire mes courses, donc ça c'était super chouette. Ici c'est un petit peu plus compliqué, je m'en sors quand même, mais ça reste très limité, il y a moins de choix, donc voilà, c'est pas évident. Mais par contre je me suis rapprochée des producteurs de fruits et légumes, donc ça c'est quand même super chouette. Bien qu'à Paris, encore une fois, il y ait beaucoup d'alternatives par rapport à ça. Bon, c'est vrai que parfois la proximité avec mes proches peut manquer un peu, le fait qu'avec mes amis on puisse juste dire bon bah viens on se voit cet après-midi pour un repas ou pour une après-midi, ça c'est un truc qui peut me manquer parfois. Ça peut m'arriver des fois quand je reste très longtemps ici de me dire mince, j'aurais bien aimé les voir un après-midi, et du coup c'est pas forcément faisable, donc ça peut me manquer parfois aussi. Parce que même quand je rentre à Paris, c'est ce qu'on fait du coup, mais ça reste que quelques jours par mois. Et je réfléchis, bon, les piscines aussi un petit peu, parce que moi qui aime bien nager, c'est vrai que là c'est un peu délicat. Alors j'aimerais vraiment m'entraîner à nager, à ne plus avoir peur des fonds marins en quelque sorte, parce que j'ai très peur de... J'adorerais nager dans les lacs et les rivières, mais j'ai très peur des fonds, du coup je n'ose pas, alors que ici j'ai de quoi faire. Donc peut-être que j'aimerais m'entraîner à ça pour ne plus avoir ce manque de la piscine à Paris par exemple, enfin en tout cas dans les villes. J'avoue que le petit truc qui me manque aussi un peu, c'est le cinéma, parce que j'adore aller au cinéma, je suis vraiment quelqu'un qui adore ça. Donc dès que je reviens à Paris, j'en profite pour aller au cinéma et voir un peu tous les films qui sont sortis. Ça, c'est un truc qui me rend très heureuse et que j'adore. Voilà, sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose qui me manque plus que ça. Encore une fois, je suis très heureuse d'être ici et tout ce que m'a apporté la vie à la campagne, je crois, m'apporte beaucoup plus de choses que ce qui pourrait me manquer. Donc en fait, c'est trop cool. Une question qui m'a été aussi beaucoup posée et qui revient souvent dans les commentaires sous les vidéos, c'est de savoir si je veux adopter un animal ou pas. C'est vrai que vous êtes assez nombreux à me dire « Oh mais t'as pas d'animal de compagnie avec toi ?» Et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas du tout envie d'adopter. C'est une responsabilité que je suis pas prête à prendre pour le moment, parce que bah, adopter un animal, y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en compte et qui changent un peu une vie. Et voilà, pour le moment, je me sens pas prête, d'autant plus que comme j'aime bien être hyper... movible, enfin du coup de bouger beaucoup et de pouvoir être libre de mes mouvements, avoir un animal de compagnie ce serait un peu contraignant, dans le sens où je pourrais pas toujours l'emmener avec moi, ou alors si ce serait faisable ça nécessiterait d'organiser, enfin de m'organiser vraiment, enfin ce serait à mon avis un peu plus compliqué. Je
pourrais pas toujours l'emmener avec moi. Pareil, quand je vais rentrer à Paris, c'est compliqué parce que je suis en appartement, donc du coup, voilà, je me vois pas trop. En plus, je suis plutôt team chien, donc du coup, emmener un chien en appart, même si ça se fait, ça reste compliqué. Et j'ai pas du tout envie d'être dépendante, de devoir demander à quelqu'un de devoir le garder ou de s'en occuper ou de le prendre chez soi pendant mon absence. J'ai vraiment envie de pas, voilà, de pas du tout avoir... cette dépendance-là. Donc du coup, pour le moment, non, je me vois pas adoptée. Peut-être que ça changera avec le temps, mais en tout cas, pour le moment, pas trop. Et pareil pour les poules, vous êtes nombreux à me dire, mais tu pourrais prendre des moutons, des poules, ou voilà, pareil, pour les mêmes raisons, en fait. Il faut s'en occuper tout le temps. Et pour le moment, une responsabilité vivante, c'est quelque chose qui est trop pour moi. Mais voilà, peut-être que ça changera un jour, mais pour le moment, je ne me vois pas du tout adopter un animal, même si j'adore les animaux. Enfin voilà, je garde les animaux de tous mes amis. En plus, j'adore ça et comme vous le savez, j'ai un rapport très proche avec les animaux. En plus, la cause animale, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi. Malgré tout, avoir un animal pour le moment, c'est aussi parce que j'aime les animaux que j'en veux pas, parce que ce ne serait pas des conditions parfaite pour l'animal que j'adopterai. Donc je préfère attendre, même si parfois c'est aussi un peu frustrant, mais voilà, je préfère attendre d'être sûre et d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir accueillir un animal à la maison du coup. Une dernière chose à laquelle j'avais envie de répondre, c'est tout simplement le temps que je pense rester ici, si je compte ne pas rester très longtemps, ou au contraire plusieurs années. Je vous avoue que je me plais très bien ici et que je ne pense pas du tout à mon départ. Ça fait qu'un an que je vis ici, donc c'est tout récent. Je me sens hyper bien dans cette maison et j'envisage pas du tout un départ pour le moment. Je pense qu'on verra bien. Ce que la vie me réserve et ce qui va se passer dans ma vie. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis très bien, comme vous avez pu le constater, dans cette maison. J'ai pas du tout envie de déménager pour le moment. En plus, comme vous le savez, les démarches administratives, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Et je vous en avais parlé il y a de ça un an, ça faisait partie des choses qui me stressaient, qui me bloquaient un peu pour déménager. Donc j'ai été très fière de moi de réussir à passer ce cap et à réussir à déménager, mais j'ai pas du tout envie de recommencer là très prochainement. C'est un truc qui me fait vraiment très très peur et j'avoue que c'est un des motifs aussi pour lesquels j'ai pas spécialement envie de déménager tout de suite. Même si c'est pas le motif principal, c'est vraiment là que je me sens très très bien ici, que j'ai pas du tout envie d'aller ailleurs pour le moment et que moi j'aimerais bien... Si je devais le prochain projet sur lequel j'aimerais aller, ce serait vraiment cette construction d'un frame, du coup, donc d'un chalet en A. J'aimerais beaucoup pouvoir être propriétaire et auto-construire ou en construction collaborative, je ne sais pas trop comment on dit, un petit A-frame dans lequel je coulerais des jours paisibles et heureux et devenir propriétaire d'ici quelques années. Donc voilà, je garde ce projet en tête et voilà, j'espère que ça se réalisera. Je me le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, actuellement, je suis dans un endroit qui me correspond hyper bien, dans lequel je vis hyper paisiblement, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens chez moi. Et voilà, donc je pense que c'est déjà l'essentiel. Thank you.
Ok, je vais vous montrer donc la salle de bain. Donc, vous voyez, elle est juste dans l'entrée. Donc, j'ai fait une petite peinture à l'acrylique pour décorer la porte. Et donc, voici la fameuse salle de bain que vous, dont vous mourriez de curiosité de la découvrir. Donc, voilà, elle est relativement grande. Je ne sais pas combien de mètres carrés elle fait. Les jours de soleil, c'est hyper agréable parce que du coup, le soleil rentre directement. Donc, voilà, j'ai une immense douche, très très grande. Donc le soleil rentre dans la salle de bain et ça c'est vraiment chouette. Voilà. Et regardez la chose assez incroyable de cette salle de bain, enfin du coup de la douche. Je pense que ça va vous faire beaucoup marrer. La marque de la douche c'est Orlan, donc c'est assez incroyable parce que du coup la douche porte mon nom, donc je crois que la maison était faite pour moi. Donc voilà, la vue à travers la douche. Donc voilà. La salle de bain est vraiment très grande. J'ai pas encore de machine à laver. Elle viendra ici. En attendant, c'est mon compost qui est ici pour le moment. Et voilà. Et donc, en fait, après, ça donne. Donc là, j'ai les toilettes qui sont cachées derrière la douche. Et du coup, après, ça donne directement sur le salon que vous connaissez.